comme s'ils nous disent, messieurs, n'investissez pas, ce n'est pas la peine. Alors qu'on invite des étrangers à investir au Maroc avec beaucoup d'avantages, avec des exonérations. Et nous, Marocains, éleveurs, nous, on paye 20% de TVA. Nous avons besoin aujourd'hui d'une TVA à 20% et nous avons besoin de récupérer la TIC à l'image des transporteurs européens. Et ça va permettre également de faire migrer l'informel vers le formel. Quelqu'un qui rentre aujourd'hui à la bourse et qui sort le lendemain est fiscalisé de la même manière qu'une entreprise d'assurance qui investit sur 10, 15, 20 ans. Au lieu d'aller spéculer dans l'immobilier, par exemple, ou bien de laisser dormir une partie du patrimoine pour des gains futurs sans fournir un effort et sans prise de risque, de les inciter à aller sur les secteurs productifs. Donc on est à la merci des gens qui travaillent à la commune pour estimer le projet, pour nous donner la taxe. Nous avons déjà saisi la DGE par un courrier officiel pour dire que les intermédiaires d'assurance au Maroc souffrent d'une injustice fiscale. Pour les acteurs de l'informel, il faut créer un cadre juridique, fiscal et social adapté.